Samedi Koyo, listener. Veuillez vous asseoir. The President and the Trial Chamber declare it continuation of the le président, session. Nous reprenons l'audience. And the following, I give the floor to the international prosecutor to continue his question de to the witness. Les questions qu'il était en train de poser au témoin. Thank you, Mr. President. Je vous remercie. Répond. There was one question that I didn't ask concerning the meetings with Duyck. Cette question avait trait aux réunions Mr. Chan Khan, avec Duyck. You told us that Duyck said if you didn't follow his orders, that you'd be punished or there'd be punishment. Vous seriez puni. Did Duyck ever say at these meetings what the punishment would Duyck be vous a précisé lors for de those réunion, who didn't follow the orders? Quelle serait la sanction si vous ne suiviez pas ces ordres? The witness. Le témoin. This matter, Duyck advised us at the meeting, but Duyck nous en a informé for the guards, la réunion, mais shall implement following his gardes, order. Anyone who failed to do les gardes so, devaient obéir à ses ordres punishment. Et les appliquer. Si tel n'est pas le cas, eh bien les gardes s'exposaient à une sanction. And what did you, as a guard, et vous, understand en tant que garde, by what the punishment demande le co-procureur international, did you have an idea what the est-ce que vous aviez une idée de ce que serait la sanction qui vous attendait si vous ne suiviez pas ces ordres? Response. Réponse du témoin. As I told you, the punishment, dit, if he committed anything bien, wrong si in violation of the party soit, line or the order, we shall be punished. For those who follow ordres, eh bien, his order, will be free from any punishment. Pour ceux qui suivaient ses ordres, me, eh bien, ces I never received any punishment from Duyck, but pas de sanctions. Moi, j'ai suivi les ordres de being, executed. That's why je n'ai pas I try été puni, j'avais peur d'être exécuté, et c'est pour ça que j'ai obéi aux ordres de Duyck. Apart from Jan Vuyn, did you know question anyone else du à part who Hearn, didn't follow the orders vous and was punished? Connaissez d'autres personnes qui and n'a pas suivi les ordres et qui étaient punis? Et si tel était le cas, eh bien, quelle était la sanction? Response. Réponse du témoin. In my unit in M13, other than Jan Vuyn, another one was Paul, who received the punishment because he imposed by Duyck. He was imprisoned by Duyck. Paul was imprisoned by Duyck. Paul a été emprisonné par Duyck. And what happened to Paul question du after his imprisonment? Was he qu'est-ce released? Qui lui est arrivé à Paul après sa période d'emprisonnement? Est-ce qu'il a été libéré? Response. Réponse. Paul was dead, but Paul I am not sure about his death was executed by Duyck or sur des circonstances de sa mort s'il a été exécuté par Duyck cause because I was not there anymore. Un ennemi de notre cause parce que je n'étais pas présent sur le lieu. Yesterday you told us that both your le grandfathers hier, vous nous had avez dit been detained vos deux grands-pères at M13. Étaient détenus à M13 and you said
your paternal grandfather was killed there, y a été tué. But your maternal grandfather maternel a été libéré. Can you tell us the names pouvez-vous nous donner les noms of your two grandfathers and which deux one was your father's en précisant lequel father était le père father. De votre père et le père de votre mère. Response. Réponse du témoin. My maternal grandfather named Sock. S'appelait Sock. Was referred by Dutch a while ago. Et donc, it was my maternal grandfather who was released, but now he is dead. Et maintenant, he was il est décédé. Very old and died. Donc, and my paternal grandfather called Tatam. I'm not Tatam. Sure whether he was killed by Tatum je ne sais pas s'il a été tué whether par he died of a disease. But il est I'm mort de maladie, sure that mais je suis sûr was qu'il dead in M13, but I est did mort not see M13, his corpse je n'ai pas vu because son I was away from M13. I went to M13, do the farming far away lorsque from M13. Passé, I did not, parti I do not know. Effectuer des travaux travailler la terre. Did à ce your moment-là. Own father know est-ce que votre propre that his father savait que son was père detained in M13 était détenu à M13 et y a été tué? Est-ce que votre père le savait? Response. Réponse. Could you please repeat your question because pouvez-vous répéter votre question sure, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris de quelle you've told us personne the name of your father's father, le procureur, your paternal grandfather, vos grands-pères, was Tatum. Grand-père paternel, c'était Tatum, c'est ça? And Tam. 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 Thank you for correcting me. Merci de m'avoir corrigé. And Tam. You've told us that Tatum was detained, was a prisoner détenu, at M13, prisonnier à M13, and that he was executed qu'il a there. Qu'il y a été exécuté. My question, ma question est la suivante. Is, did your own father est-ce que votre know propre père that savait Tatum que Tatum had been detained avait été and executed détenu et exécuté at M13? À response. Réponse. Ou est-ce que c'est une erreur de langage? Il ne savait pas si le grand-père avait été tué ou s'il est mort de maladie. Et maintenant, la question qui lui est posée, on emploie le terme exécuté. Alors, est-ce que c'est un problème de traduction ou est-ce que c'est bien le terme que mon confrère vous utilisez? Le témoin a dit il est mort, je ne sais pas s'il a été tué ou s'il est mort de maladie. Alors, si on continue à poser des questions, je préférerais qu'on les pose en disant il est mort. Sans parler d'exécution. Merci. Monsieur le Président, je. And I will refer to Tatum as having just been detained at M13. Et je vais référer à Tatum comme étant détenu so à M13. Does the witness require me to repeat my donc question? La remarque de la défense est pertinente. Est-ce que le témoin souhaite que je répète ma question? The witness. I would like le to témoin. Tell you that Tatum, je souhaiterais vous dire que Tatum, you, comme je vous l'ai dit, was my paternal, était mon grand-père paternal grandfather, as I tell you again and again, comme I'm not quite sure répété, whether he was not he was died of si illness or mort de killed maladie, by Dutch ou because s'il a été I was par not Duc. There. Parce que je I n'étais went pas to sur place. Do the farming. J'étais parti faire des travaux agricoles but, à ce moment-là. Mais Tatum was actually died in M13. C'est lui qui est en fait mort à M13. Now, your own father bien, votre is called propre Chan Kom. Père s'appelle Chan Kom. C'est exact? The witness. My father
Yes, oui. His name is Chan Kom. Il s'appelle Chan Kom. C'est exact. And did Chan Kom Est-ce que Chan Kom know that que Da Tam, que Da Tam had been detained in M13 avait été détenu à and M13. Never came out of there alive? Et qu'il n'en est jamais sorti vivant. Response. Réponse. Could you please repeat your question about my votre father? Question concernant mon père. Did your father Est-ce que votre père know savait that his own father que son propre père was detained avait at été M13. Détenu à M13? Response. Réponse. I told you my Je father vous ai dit que mon père knew about that, le but savait. He was not my my paternal grandfather. Yes, c'était pas mon grand-père paternel. Tatum was the uncle of my father. L'oncle de mon père. Yeah, my father knew about that detention. Était au courant de cette détention. You heard the accused say Vous avez entendu l'accusé déclarer your father, que votre père, Chan Kon, had a good relationship with him. Entretenait une bonne relation avec lui. Do you know whether this is true or not? Est-ce que vous savez si c'est véridique ou non? The witness. Le témoin. Regarding this matter, my father never pour ce qui est de cette question, make any relationship with Tatuk. He was always at the rice paddy. The response was not correct. La réponse de Duc why était I say that? Exact. Because my father La never been mon père contacting with him when I was there. En contact there. Avec lui lorsque j'étais là-bas. I'd like to read out another short passage from the statement that you gave to investigators last year. Dans le cadre de votre déposition and for the court record, l'année again, passée. This is document D-78-4, Il s'agit du document taken on the 31st of March 2008. Du the English mars ERN 2008. That I'm about to read Donc, is 001955-42. Mr. Chan Kon, can you just listen carefully to Monsieur what you Chan told Kahn, vous voulez the investigators last year? Ce que vous and avez I'm going to dit, read it out now. Dans le cadre de votre disposition aux enquêteurs, I first l'année entered passée. The revolution Donc, in 1973 de la révolution through en 73, Kim, par deceased, le biais de Kim, village décédé, chief, donc chef du village, and Pring, et de Pring, deceased, décédé, sub-district chief. Donc, chef du sous-district. At first, Kim informed me that I would be appointed as a soldier, nommé comme soldat. But I was sent to work as a security guard at Office 13, where many prisoners M13, were held. Comme garde de sécurité. There were lots of security guards working in Office 13 who had been selected from various places. They were introduced into the revolution like me. Ils ont été introduits dans la révolution comme moi. My first question, Mr. Chan Kon. Ma première question, Monsieur Chan Kon. Do you confirm est la suivante, that statement vous confirmez that I've just read out is accurate? Is it correct? Exact. The witness. Le témoin. Regarding your statement, you read it is correct, reflecting my response elle est fidèle in the statement. À ma réponse dans le cadre de cette déposition. So, you thought Et donc vous pensiez you were going to be a soldier, que vous alliez être, but in fact, you were sent to work as a guard at M13. Mais à la place de is that cela, correct? Au lieu de cela, on vous a envoyé travailler comme garde à M13. Respond. Est-ce que c'est exact? Réponse. This is correct. Oui, c'est exact. Based on my statement. Sur la base de ma déposition. Were you
or your father est-ce que vous ever ou votre asked père, est-ce qu'on whether vous a demandé you wanted to go to M13 to work there? De travailler, d'aller travailler à M13. Réponse. My father did not know mon père whether ne savait I pas wasn't there, que j'y avais été envoyé. Because the village headman told him parce that I was assigned to be a soldier, but au later village, on lui avait dit que j'avais été affecté there, à la fonction my de soldat, mais did tard, not know about that mon père when ne savait pas was que away j'avais from home. Because était at that envoyé time it depends on the village headman or the commune chief parce qu'à l'époque, who send anyone to any commune, direction we should follow. You could not refuse. On ne pouvait pas refuser lorsqu'on nous demandait de suivre la révolution. What would happen if you question had refused the orders qui se serait passé si vous aviez refusé from your place d'aller to M13, donc de quitter votre village pour aller or travailler to be a soldier, à M13, as you thought ou alors d'être soldat. Response, comme vous l'avez could dit. You please réponse, repeat est-ce que your vous voulez questions bien répéter votre question? Certainly. You question said you could not refuse. Certainement, oui. Vous avez dit que vous ne pouviez what refuser. Would have happened if you had tried qu'est-ce qui se serait to passé si vous aviez essayé de refuser de contester cette requête? Réponse. I am not quite sure about the questions. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la again question. Est-ce que vous voulez bien la reposer? You've told us that question. The request vous avez dit que la demande came from your village émané chief du chef de to votre village for the revolution. Savoir is that de travailler correct pour la révolution. Est-ce que c'est exact? Response, that, réponse. That's true. Oui, c'est vrai. And you were told that you were going to work as a soldier. Dit que vous is alliez that correct être soldat. Est-ce que c'est vrai? Réponse. That's correct. Oui, c'est vrai. Says the witness. Dit le témoin. Did you have any possibility est-ce que vous aviez or opportunity une to refuse the la request ou to become a soldier? De refuser cette demande d'être soldat. Réponse. At that time, we could not à l'époque, nous ne pouvions pas reject, the proposal rejeter as long as leur we proposition. Were requested, then we were obliged, lorsqu'on to nous demandait, eh bien, on était obligé de respecter, d'obéir à cette demande, car absolute, la révolution we were not était absolue. To go, bien que nous n'étions we pas disposés à y aller, eh bien, on était obligé. Mr. President, I have no more questions for the witness. Thank you. Le but I have two questions for the accused. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser à l'accusé, cependant, au témoin, pardon. Et j'ai cependant des questions à poser à l'accusé. The President, you le Président, are, you are allowed to ask that questions to nous vous autorisons à poser vos questions like à l'accusé. To be prepared to respond. Nous aimerions the que l'accusé soit okay disposé à vous répondre. Mr. Kang, what would happen to those families le coprocureur, who Monsieur refused Kang the request from the party qu'est-ce qui se to send their children serait passé à ces familles qui ont refusé d'obéir aux demandes du parti, c'est-à-dire d'envoyer leurs enfants travailler? L'accusé. People who had been request from les personnes the upper echelon qui avaient reçu une demande de l'échelon supérieur d'envoyer leurs enfants à M13, et bien devaient faire part de leur objection. Left the area, the condition ensuite, was different, lorsque les personnes when, ont quitté la zone, et bien la situation a changé, mais au début, les personnes devaient envoyer leurs enfants donc à M13.
when you use the word obliged to come to M13, do you mean to say that there was no possibility of rejecting the request, of refusing the request? The accused. L'accusé. Normally, no one would reject such a request, like Comrade Khan already stated, because they were afraid to be killed. Parce qu'il s'agissait de d'être tué. You've heard what the witness said. Vous avez regarding entendu ce que le témoin his a dit. Father's relations par with rapport you. Aux relations de son père. Avec vous. Do you maintain that this witness's father demande had good relations with you after what you've heard the witness say? Est-ce que le père du témoin avait une bonne relation, une relation cordiale avec vous? Response. Réponse. Brother Com paid a visit to my location one m'a rendu visite une fois ou deux au centre. And you heard what the witness said regarding his father's own father, who was imprisoned at M13. My question is, ma question est la suivante. Do you maintain that Tacom still had a good relation with you entretenait toujours une relation after cordiale you had avec imprisoned après his que own vous father ayez emprisonné at M13? Son propre père, M13. Réponse. Comrade Khan left me before Brother Tam was sent in. Avant que le frère Tam and Brother Tam came to my place before Comrade Khan donc, was recruited and later on we never saw tard, Brother Khan again. Nous n'avons plus revu le frère Khan. Thank you, Mr. President. I have no further questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Déclare le co-procureur international. Nous n'avons plus de questions à poser. The President. Le Président. Next, we ensuite, would nous like allons to invite the civil party lawyers les avocats des parties civiles questions à to the witness, poser if les questions to aux témoins s'ils souhaitent. And following the order of the group starting from group one. Donc so en suivant l'ordre des groupes de 1 à 4. Donc j'invite maintenant l'avocat du groupe numéro 1 à poser ses questions. Tisrina, thank you, the president. Tisrina, merci Monsieur le Président. Avant de poser les questions, j'aimerais obtenir un éclaircissement du témoin, de la part du témoin concernant plusieurs points. Tout d'abord, Monsieur Chan Khan, regarding the flat, en ce qui concerne l'inondation, lorsque l'inondation est survenue, est-ce que ça s'est passé la nuit ou en début de matinée? Le témoin. Response: in the case of flood, it happened in early in the morning. En début de matinée. The flood came very quickly. Donc elle est survenue très rapidement. Keep rising. Elle until les eaux ont continué à monter. Until 4 or 5 a.m. and the full flood was 5 ou 6 heures. Okay. L'interprète n'a pas réussi à entendre la fin de la réponse. Ok. Tisrina. Tisrina. Yesterday, you said. Hier, vous avez dit que. Something about the medics. Vous avez. You said that there were medics at M13. Parlé des médecins. Vous avez parlé d'un médecin à M13. Est-ce que vous pouvez clarify to us whether the medics were
to cure or to treat the guards or the prisoners. Ou, prendre en charge les gardes ou bien les prisonniers. Réponse. The medics at that time did not have a good possession of medicine. Ne maîtrisait pas bien la médecine. The medics were stationed at the unit and they were à l'unité. Ils étaient là pour prendre en charge à la fois les prisonniers malades et les gardes qui tombaient malades. So the medics were to et donc treat le médecin était everyone, là pour prendre en charge tout le monde et pas seulement un type particulier d'individu. Tistrine. Prisoners who were detained in est-ce the que pits les prisonniers were treated by the lorsqu'ils étaient dans les fosses, ceux qui étaient dans les fosses, est-ce qu'ils étaient pris en charge par les médecins? Réponse. As I said, comme je l'ai dit, there were very few medicines, il y avait très peu de médicaments. People were sick. Et les personnes étaient when there were medicine, malades. They would be given to the detainees, cas, but bien, if not, then lorsqu'il y avait les médicaments, eh bien, on leur en question. Donnait. Mais s'il n'y en avait pas, on ne leur en donnait pas. Question. Have you noticed that, Est-ce que vous avez remarqué marqué prisoners in the que pits les prisonniers were dans les fosses, given some medicine, eh bien, est-ce qu'on leur administrait des médicaments treated, I mean, with est-ce your own qu'ils eyes? Étaient traités? Est-ce que vous avez vu ça de vos propres response. Yeux I used to see that medicine were given, but it more like a rabbit droppings kind of medicine. Des petites question. Pilules qui ressemblaient à des crottes de lapin. This morning you stated that after interrogation, question. Ce matin, vous prisoners avez dit qu'après interrogatoire, and you could see eh bien, des prisonniers étaient emmenés. The detainees were stained vous with que blood. Les détenus avaient des traces de sang. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils étaient response, ensuite pris en charge par les médecins? Réponse, non. Tel n'était pas le cas. Question. So question. Where were these, prisoners alors, taken ces to? Prisonniers, où est-ce qu'ils étaient emmenés? Réponse. They were left, after that interrogation, on les unless laissait the, après interrogatoire. Except they were sick, sauf by s'ils étaient some kind of natural disease, then malades, they would be treated, but with interrogation and torture, they would de not maladie be given naturelle, any mais medicine. Si on, question. So ils étaient malades this suite means aux interrogatoires, on ne leur donnait pas de médicaments. Question. Donc les prisonniers n'étaient pas traités ou soignés, tandis qu'ils étaient battus. Were not treated, but réponse, if they les personnes fell ill, then they would be treated. Qui, alors, qui est tombé dans cette catégorie n'étaient pas traités, mais s'ils tombaient malades, ils étaient traités. Question. When concernant it happened, l'inondation, lorsqu'elle est survenue, there was a effort to save the to release the prisoners from the pits to escape the flood. Enfin, de faire sortir so les prisonniers des fosses. Unshackled, est-ce que donc were les prisonniers ont leur enlevé leur chaîne est-ce que les prisonniers étaient toujours response. Enchaînés lorsqu'on les a fait sortir people des fosses prisoners réponse, who les were prisonniers pits, qui étaient dans les fosses, eh bien, on leur a enlevé to their les legs, chaînes attachées à leurs jambes, mais ils étaient toujours enchaînés au niveau du cou. Ground. Et donc, on a pu les faire sortir question. Vers une zone plus en hauteur. Question, lorsque drowned, les prisonniers se sont noyés, certains drowned, d'entre eux se sont noyés. After they were, some were saved, après cela, certains d'entre eux ont été sauvés. Sick or est-ce qu'ils sont tombés malades ou fine. Est-ce qu'ils étaient en bonne santé? Réponse. Détenus who were saved from the qui ont été secourus later des fosses, died bien, of, plus tard, disease, ils sont morts de maladie or maybe died of, ou peut-être morts traumatisation, de or died of the traumatisme of the flood. But I noticed that en conséquence de l'inondation. Mais en tout cas, j'ai remarqué qu'ils sont morts de mort naturelle. After they escaped from the question, flood and après they fell qu'ils se soient échappés ill, de l'inondation, and, après qu'ils soient tombés malades, vous avez dit sure que vous n'étiez pas certain de savoir s'ils sont tombés malades so panicked,
parce qu'ils étaient dans un état de panique. Ma question est la suivante. Est-ce que les prisonniers ont, à ce moment-là, été traités, pris en charge par les médecins? Réponse. Il y avait très peu de médicaments pour permettre de les soigner. Et les médicaments n'ont pas été efficaces. Les personnes, ce n'a pas empêché les personnes de mourir. Je vous remercie, monsieur le témoin. J'aimerais passer à une autre question. Regarding the en ce qui concerne les fosses, when you worked at M13, lorsque vous étiez à M13, est-ce que vous avez remarqué, donc vous avez remarqué qu'il y avait trois fosses? Ensuite, est-ce que d'autres fosses ont été creusées pour détenir, y garder d'autres prisonniers? Réponse. Après l'inondation, ces fosses ont été remplies d'eau. And later on, detainees were cela, put détenus in a place insulated by barbed wire and fence and entouré de barbelés et recouvert de feuilles et de branches d'arbres. Question. This question has something to do with Dutch when it comes to decision. For example, lorsqu'on vient à la décision, when par exemple, a prisoner committed wrongdoing or a guard make a decision immediately, or he had to wait for the order from his superior, from your observation. Réponse, je ne suis pas bien sûr de comprendre ce dont vous parlez parce que je ne sais pas si la décision a été prise de son propre chef ou par ses supérieurs. Question. Vous êtes-vous trouvé dans une situation où, for example, like in the case of par exemple, dans le cas de Chang Wulen, qui a commis une erreur en laissant les prisonniers s'échapper, il a été sanctionné à ce moment-là. Remember à ce moment-là, that the Dutch really ordered the punishment que c'est Duc qui a ordonné la sanction immédiatement ou est-ce qu'il a dû attendre d'obtenir l'ordre de sa supérieure hiérarchique? I am not sure and I have no idea whether the decision was made at the level of Dutch himself or he had to wait from the order from the upper echelon. Attendre de recevoir l'ordre de son échelon supérieur. Tisrine déclare qu'elle n'a pas d'autres questions à poser. Mon collègue va peut-être avoir des questions à poser à l'accusé et au témoin. Je vous remercie. Monsieur Medoui. The President, the floor is yours, le Président, je vous en prie. Mr. Karim. Maître Khan. Good morning, Mr. President, Your Honours. With your leave, just a bonjour, few Monsieur questions Président, for Monsieur the accused. Juge, je voudrais, oui, encore poser quelques questions à l'accusé, si vous me permettez. The President, the floor is yours. Je vous en prie, dit le Président. Mr. Duke, you have heard over the last couple of days and even previously entendu au cours de ces deux derniers jours et les journées précédentes des témoignages comme quoi les prisonniers étaient gardés dans des fosses à M13. C'est bien exact, n'est-ce pas? Réponse, oui. And you have previously said question. That the conditions vous avez dit précédemment que les conditions de détention à M13 étaient terribles right, de façon générale. C'est aussi exact, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui était terrible? The conditions question. At M13, les conditions you previously de détention, said, vous avez dit antérieurement when you, spoke about M13, concernant that they were, M13, an embarrassment que les conditions to you. Is that right? Pour vous they were very harsh
difficult conditions for people to live in. That's right. De vie extrêmement difficile pour les personnes qui s'y trouvaient. Et c'est exact. Response. M13 was the prison for Khmer Rouge. It was not just hard, harsh, but it was cruel. Khmer Rouge. Non seulement les conditions étaient difficiles, mais elles étaient même cruelles. And heinous. Et marquées par la haine. It is a place where humanity. C'est un endroit was smashed. Où l'humanité n'avait pas cours. It's not really hard. It was the very donc c'était pas simplement place. Difficile, c'était so un endroit like to make it clear. Cruel, il it's faut que ce soit clair, hard, c'est au-delà de conditions difficiles. If humanity was smashed question, at M13, les gens étaient écrasés is it right à that M13, the pits alors est-il vrai that que you les kept is where humanity was ground down était l'endroit où l'humanité était ainsi broyée. Response. I would like to repeat it. Today, je dois I have just noticed your attendance, new face in the court. Je constate que vous the êtes dans la salle, dans le prétoire pour la première fois. Donc, ce que j'ai dit précédemment, ces fosses avaient un double usage. To protect the detainees or prisoners from absconding. So a empêcher plutôt les détenus de s'enfuir. Elle faisait 2 mètres de profondeur the legs and et les prisonniers étaient enchaînés par les chevilles. Il n'y pas assez à manger non plus. Il ne peut pas s'enfuir. Deuxième chose, au début, attempt to dig pits, but only nous when pensions we pas wanted creuser to des protect, fosses. Detainees from mais aerial il a fallu aussi protéger les détenus contre les bombardements aériens. Mr. Duke, I do apologize for interrupting. I've read the transcripts. I know what your evidence mais is. Je sais ce que vous avez déjà dit. All I'm putting to you is that if the conditions in the camp in general were cruel and difficult, it would be fair to say that the conditions in the pits dug in the ground were particularly cruel and particularly difficult. Et particulièrement difficile. Is that right? Est-ce exact? Response. That's right. It was difficult, cruel. Oui, c'est vrai. Les conditions étaient difficiles, cruelles. It was not a school building. Ce n'était pas. It was a Khmer Rouge prison. Une école. Hein. C'était un camp Khmer Rouge. Une prison Khmer Rouge. It's right, is it not, that people question. Kept being kept est-il in these pits in 1974? Étaient toujours détenus you would agree dans ces with me about that, wouldn't you? C'est juste, n'est-ce pas? Réponse. Respond, could you please repeat your voulez-vous question? Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Even in question. 1974, people encore, were being kept in these pits. Des gens étaient détenus dans ces fosses, réponse, oui, that's c'est vrai. Correct. And you are fully question. Aware, are you not, that the American aerial et bombardment of Cambodia pas, que les finished in August 1973? That's also 1973, right, isn't it? N'est-ce pas? Response. 73 or 74? 73 ou 74? I will repeat the question. You are fully aware question, je répète ma that question. The American aerial bombardment of Cambodia ceased par les Américains in August 1973. Pas? That's the reality, is voilà. It not? C'est la réalité, n'est-ce pas? Response. Réponse.
I'm not sure with the date. I'm Je not suis pas involved sûr de la date, in the date, but it was 73 or 1974. But after the aerial bombardment in the battlefields, before that kind of aerial bombardments, there were also bombs dropped from the planes. Il y avait déjà des bombes qui étaient larguées. Even these kind of bombs dropped in villages. And until the 17th of April 1975, the aerial bombardment stopped. Let me be very plain, Question. Lest there be any misunderstandings Je to do. Très clair. You kept prisoners in Vous these pits well after United States aerial bombardment ceased, bien après did you not? Que les bombardements aériens du Cambodge aient cessé, n'est-ce pas? Réponse. After the B-52 bombardment, Après les there bombardements were some aerial bombardments, the normal aerial Il y a eu bombardments. D'autres bombardements normaux, si vous voulez. And I put it Question. To you that the reason you cling to this story Moi, je dis que si vous prisoners in pits for their own protection is to hide the fact that you place them in these pits, knowing full well that they would be subjected to horrendous and cruel sachant parfaitement bien qu'ils and miserable conditions. À des conditions is that right? De vie cruelles et terribles. N'est-ce pas? Response. It is more like a consequence. So in Khmer word, it is more the consequence of the event. We had two purposes. First, we protected the prisoners from absconding. Avec ces but forces. Number two, Empêcher it was for protecting their own protection. So if the bombs were dropped on right on the pits, then prisoners would die, but if tomber, they sûr, were si tomber dans la fosse, les prisonniers mourraient, mais si la bombe tombait ailleurs, les prisonniers étaient protégés. Therefore, whether prisoners were inflicted more cruelty and horrendous situation, it was the consequence, plus terribles, it was not my une conséquence, initial intention. Mais c'était pas l'intention poursuivie au départ. And of course you've heard the testimony Question. Previously Naturellement, vous avez entendu ce qui a déjà that individuals témoins, in 1974 drowned que in these pits des prisonniers when sont there was a flood. Dans ces fosses lorsqu'il y a you've eu heard une that, inondation. You? Bien entendu, n'est-ce pas? Monsieur le Président, Mr. President, même observation que la dernière fois, pourriez-vous like inviter mon I confrère said à être moins time. Agressif et plus respectueux dans ses questions S'il vous plaît, nous sommes dans une enceinte de justice. Nous ne sommes pas sur un ring This is de a courtroom. Boxe. This is not a boxing ring. Je vous remercie. Thank you. Mr. President, I'm not wearing gloves. Monsieur le Président, je ne porte pas de gants. Your Honor, I'm very happy to put the question again if Je there was la question, some lack of clarity. Formuler la question. Mr. Hu. Que le président vous réponde à ma question, s'il vous plaît, confrère. Please wait Je viens de poser Mr. une question à Monsieur le Président, pas à vous. J'ai demandé à Monsieur le Président question. De vous inviter à être plus respectueux. Vous voudrez bien attendre la réponse du so président. Would you be so kind as to wait for the president's response? Thank you. Mr. President, with the greatest respect, no. Avec la partie civile, Monsieur le Président, et avec le plus grand respect, le Président interrompt. The President, Mr. Khan, may Maître I Khan, may we remind that your remark is well balanced between Je the right to put questions vous and que vos observations doivent respecter l'équilibre à observer
the entre rise not to le droit de poser des questions repeaters, répéter ce qui a déjà été dit. Nous avons effectivement constaté you seem to be new here and that, que some questions vous semblez être ici pour la première fois et que vous répétez des choses qui ont déjà été dites. Par ailleurs, vos questions sont longues et puisqu'il faut les traduire, cela entraîne peut-être des pertes et des problèmes de compréhension pour la personne à qui vous adressez vos questions. Je vous demande donc d'éviter de répéter les choses qui ont déjà été dites, that once asked by other parties, de répéter des questions posées par d'autres parties. Be no delay in the proceedings and that nous sommes soucieux effectivement de ne pas prolonger inutilement les débats et brief nous souhaitons que les questions soient brèves et précises. It is no misunderstanding. Notamment au fin de la traduction. You can continue. Vous pouvez poursuivre. Mr. President, I'm most grateful and I Maître fully Khan, take on board the admonition about repetition. The objection, of course, is one of tone, not of substance. And it is my respectful submission that the proper form is that when an objection is raised and prior to a ruling, a party is allowed to respond. But, Your Honor, be that as it may, I will move on and ask Mr. Duke with your leave one additional question. Je voudrais poser une question supplémentaire Mr. Duke, à l'accusé. I put it to you that the reason alors, you are so wedded si to this vous tenez story à cette about placing people in these pits concernant for their own protection des prisonniers dans des fosses is born out of nothing other than a very blatant attempt to somehow mitigate your conduct in placing people in shackles, in miserable conditions, dans des conditions in these pits. Difficiles, would dans you ces agree that is a fair assessment? Enchaîner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire? Response. I want to be short. J'essaierai d'être bref. J'ai déjà dit already, des centaines de fois. But because you are just here today, I may have puisque to vous êtes présent ici aujourd'hui, je le répète, les gens qui étaient détenus dans les fosses étaient enchaînés, c'est vrai. Your Honor, I have no further questions. I'm grateful. Maître Khan, je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président, merci. Le Président, je donne la parole aux avocats des parties civiles du groupe 2. Thank you, Mr. President. Your Honors. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Morning, Mr. Chen Khan. Bonjour, my name is Zilke Stutzinski. Je m'appelle Zilke Stutzinski. Je suis avocate des représentant les victimes. I could observe that during the morning session, j'ai pu observer que pendant l'audience de talk more ce matin, vous avez été plus loquace qu'hier. And that you, I hope that you feel also relieved. Et j'espère que vous êtes aussi soulagé du fait d'avoir pu parler. Am I right that you are feeling ai-je raison de croire qu'aujourd'hui vous êtes plus yesterday? À l'aise qu'hier? The witness. Que tam nhom đăng cứ thu chiêng mà sao mình more relieved today than yesterday. Oui, je suis plus à l'aise aujourd'hui because qu'hier. Yesterday my feeling was rather mixed. Parce que hier j'avais des sentiments plutôt mitigés. Yes, thank you. And question. I hope that you merci. Can contribute to the search pourrez contribuer the judges there
to ascertain the truth. À la quête de la vérité, à laquelle participent les juges ici présents. You told us yesterday. Vous nous avez dit hier. That Doug, Chan, que Doug, Mies, Chan, Bon, Mies, and Pal bon were interrogators. Et Pal étaient tous des interrogateurs. Is this right? Est-ce bien exact? Réponse. Response. It's correct. Oui, c'est juste. And did question. They have different sites or places where they est-ce conducted qu'il y avait the interrogations? Différents endroits où les interrogatoires avaient lieu. Response. Réponse. There were different sites oui, where plusieurs endroits prisoners were interrogated. Because où se tenait l'interrogatoire. Deutsche had interrogated the prisoners at one location, other would interrogate people Duke at different locations. Interrogé parfois un endroit could et les autres ailleurs. Approach these locations where interrogations were conducted. Est-ce que vous avez vu de près ces endroits où avaient lieu les interrogatoires? Response. As I just said, Deutsch had different location for interrogation, Donc, and Mies Chan à plusieurs had autres used different sites to conduct interrogations. Chan. How close mener ces interrogatoires à d'autres endroits aussi? Question. Go to these mais est-ce que vous interrogation pouviez sites vous approcher de ces endroits où ont lieu les interrogatoires. I never went close to that non, je ne me suis locations. Jamais approché de ces endroits. I was stationed at the moi, j'étais office. Posté à M13, au camp. Did you or could you was this question. Place where the interrogations took place? Est-ce que ces endroits où avaient lieu les interrogatoires hidden so that you étaient could not des endroits dissimulés look inside? Ce qui fait que vous ne pouviez pas voir ce qui s'y passait? Or was it possible to observe ou était-il possible the situation d'observer of interrogation from far? Un interrogatoire de loin. Response. The interrogating sites were made of small huts. Et ces endroits où les interrogatoires étaient de petites huttes. Insulated and hidden, and et they were far away from the detention. Éloignées du centre de détention. To the north of elles se trouvaient au nord de l'étang de Tropeang-Trap. Come now to another issue. Question. You talked je passe à un autre already point. About vous avez parlé pits des différentes and fosses the pits where the detainees were held où les prisonniers étaient détenus. And then about pits with vous avez aussi bodies. Parlé de fosses où on jetait les cadavres. Can you tell us est-ce que vous pourriez these different pits vous parler de ces différentes fosses and for detainees and les fosses réservées aux détenus, les fosses réservées aux cadavres the pits for et nous parler the dead bodies. Plus en détail de ces fosses où l'on jetait les corps des prisonniers morts. How many of those pits combien for y en avait-il did you see during your time in combien en avez-vous vu durant votre séjour à M13?
Réponse. Moi, je n'ai vu que les fosses où étaient détenus des prisonniers. Did you ever see question. Dead bodies in est-ce que vous avez vu des cadavres à M13? Réponse. People died of starvation. Des gens as I said de faim. Yesterday, I saw them died of by the cost of the flood. Et j'ai aussi vu des gens mourir noyés à cause de l'inondation. Did you see also question. Executed? Est-ce que vous avez vu aussi des personnes qui avaient été exécutées? Réponse. As I said earlier, comme j'ai dit locations where people were executed, les endroits où l'on procédait aux exécutions étaient des endroits gardés secrets. To keep their location il y avait une secret, and we were ordered by Deutsche to conceal this secret because we did not know secret. That locations because it was part of the secrecy. Et nous ne savions pas où étaient ces endroits parce que cela était couvert par cette obligation de secret. Did you hear question. Shooting at M13? Est-ce que vous avez entendu des coups de feu? À M13. Réponse. I used to hear gunshot at M13, especially oui, when prisoners escaped, surtout lorsqu'il y avait une évasion de prisonniers. Were tied to the pole and shot to scare the hell out of the other prisoners. Un poteau était exécuté pour effrayer et intimider les autres détenus. Did I understand right that you cela, je l'ai heard vu. It and you saw it? Question. Est-ce que j'ai bien compris? Vous l'avez entendu shot. Et vous l'avez aussi vu? Vous avez vu ces scènes? Réponse. Could you please repeat your pouvez-vous question? Répéter votre question, s'il vous plaît? Yes, I want to question. Clarify if I je voudrais understood. M'assurer que j'ai bien compris. Well, am I right that you said avez-vous dit I heard the shootings que vous avez and entendu I les saw coups de feu et aussi vu ces scènes, shot. Vu des gens? Des scènes où l'on tirait sur des gens. Réponse. Response. As I mentioned, at the location there were poles where comme j'ai dit, il y avait des poteaux auxquels on ligotait shot des and prisonniers I heard, the gunshot. Et qu'on des prisonniers qu'on abattait how did you à feel coup de feu. When you heard these question. As you have said, unbearable loud sound. Vous avez parlé de bruit. Je pouvez-vous préciser? Response. Réponse. I was afraid and I did not moi, know actually peur, who was killed je ne sais, because je ne savais as pas I exactement told you, qui était there tué, were my grand. Je vous l'ai dû dire, mes grands-parents their fate, étaient aussi détenus là et je craignais pour eux. Can you tell us, if question. This happens every day, shooting est-ce in que M13? L'on entendait comme ça des coups de feu tous les jours à M13?
ចំពោះបញ្ហានឹងវាមិនមែនរៀងរាល់ថ្ងៃទេគឺវាមានដោយថ្ងៃរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅThe response, it just happened occasionally, not daily. Pas tous les jours, parfois seulement. Did you see Question. The accused in M13 also with Est-ce que vous other avez vu arms, like for example l'accusé AK-47, portant d'autres armes, par exemple un AK-47, other arms in his hands. Ou d'autres armes. Response. You said the accused, you refer the accused to the prisoners at M13 or Duke? Quand vous dites l'accusé, vous voulez dire les personnes qui étaient accusées à M13 ou bien vous parlez de Duke? Sorry. Response. Duke question had de Duke réponse a shotgun avait un I don't know how pistolet. Many shotguns he possessed je sais pas but combien he actually il en avait. Had that gun en tout cas il en avait un did you see that he question. Used this gun est-ce que vous l'avez vu se servir de son arme Response. He carried that gun, and no other guards were allowed to use his gun. Il portait cette arme et aucun autre garde n'avait le droit d'utiliser cette arme. Question. Je répète ma question car je crois qu'elle n'a pas été comprise. Est-ce que vous avez vu Duke se servir? De l'arme qu'il portait. Donc, tirer, ce qu'on fait normalement avec une arme. L'avez-vous donc faire usage de son arme et tirer? Réponse. I never see him shot the gun. Non, je ne l'ai jamais vu tirer avec son arme. Because we were assigned with different tasks, and I don't know whether when I was not at the location that he would use such a gun. I don't know, but maybe he ordered some other people to fire. Peut-être qu'il donnait l'ordre à d'autres de tirer. Je ne sais pas. Would you? Monsieur le Président, Mr. Ho, pardonnez-moi, mais une observation encore sur la dernière question qui vient d'être posée. Je rappelle que Monsieur le Procureur Alex Batt avait posé tout à l'heure la question. Avez-vous vu Duke tenant un pistolet en main ? Réponse. Je l'ai vu le retirer de sa ceinture et le poser sur la table quand il travaillait ou pour aller manger. Question. Je ne l'ai jamais vu poser, etc. Non, mais si on pouvait éviter de reposer tout le temps les mêmes questions, peut-être que nous irions un peu plus en avant. Ce n'est pas une question. C'est exactement des répétitions. Je parle d'un. Talking about a pistol, I have talked about a gun, a rifle, an AK-47, and as far as I am aware, there is a difference, of course, between gun and pistol. And the questions from the prosecution was et un fusil. Directed and concerned et la question du coprocureur concernait un pistolet. Or, j'ai posé une question portant sur, plus précisément, un fusil et j'ai donné, par exemple, un AK-47.
The President, since the question is different, then you can continue la question s'avère différente, put that question. Donc, je vous prie because de the use of gun and the fire, firing of the gun is different, so you can proceed your question. Veuillez poursuivre. President, through our observation, you should also understand that the witness is illiterate, so the language used should be le langage que vous devez utiliser so doit être simple de manière. It is not the way your talk the legal language to your peer lawyers, but it is more about the communication juridique. Between a lawyer to a client who is rather illiterate. So that's why he would understand more clearly. Et un témoin et entre juristes. Donc, si vous voulez bien simplifier la formulation de vos questions. Before the maybe the lunch break, d'accord, only one j'aimerais poser question juste une question avant Mr. la pause déjeuner. Would you feel more comfortable to answer some questions without the presence of the accused? Répondre à certaines questions sans que here, l'accusé Mr. soit Kine. Présent dans cette salle. Question posée au témoin. Response. I'm fine, though the accused is present, I still tell the truth, because that's what I can tell, as long as the question is clear, precise, and I can understand to respond, and whatever I can answer, I answer immediately. Lorsque je peux répondre, je réponds immédiatement. Go now to another issue and maybe, question. Nous allons passer maintenant à une autre question. Peut-être, Monsieur le Président, ce serait le moment serait séant de faire une pause pour le déjeuner. Le Président. There will be a proceedings, next proceeding. I know that when we continue, then we still have to alors, finish all the questions. So since it is now time break for lunch, we should now adjourn for the lunch break and resume faire une after pause this at et 1:30 les questions p.m. So à partir de 13:30, je vais sorry, the security guard inviter les gardes à emmener l'accusé back to his facility and bring him dans back ses quartiers and court officer take et je vais inviter l'huissier his waiting room and make sure that emmener you, le témoin do not let him et associate with je vais inviter l'huissier à s'assurer qu'il ne soit pas en contact avec d'autres témoins avant qu'il n'ait terminé sa déposition.